Bonjour les amis, on est dans un petit coin bien tranquille, bien sympathique, avec un figuier plein de fruits. Alors il y en a des verts, mais il y en a. C'est un peu dur, ça va être très bonne, ça va être toute molle. Une autre là aussi, voilà, des bonnes petites figues gratos, hein. Et on a un touriste qui est venu se perdre dans le coin. Alors on s'est mis un petit coin parce que c'est un peu menaçant là, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou quoi que ce soit. On s'est fait un petit abri de fortune avec les moyens du bord, hein, comme toujours, hein. Pourquoi acheter alors que on peut se faire un truc sympa. Et voilà mon ami Vincent. Salut. De l'ancien jardin de Vincent, et maintenant c'est prêt à partir. Ouais, parti du coup. Voilà, il est parti. Se préparer à partir. Se préparer à partir, et il s'est tellement préparé qu'il est parti. Hein. Peyo qui est en train de faire son petit repas, pépère. Hein. Une figue mon Peyo. Il veut une figue, mon Pio. Il va la manger, la figue, Pio. Pas pour le moment. C'est chiant, voilà. Cette table. Allez, on va préparer la petite table. On va se préparer le petit barbecue. Ah, mais je croyais qu'elle était toute pliée. Ouais, c'est la galère, quoi. Non, c'est un truc phénoménal. Ouais, mais au moins, c'est costaud, quoi. Quand au moins, c'est sûr que, voilà, t'es... Quand t'es en camping ou un truc comme ça, pendant un mois, pendant une semaine, ça va, mais... Là, tu la montes tous les jours, là, c'est provisoire, hein, tu parles autre chose. J'attends qu'on me la pique, mais on ne veut pas me la piquer. Montage, table vide, là. Ouais, c'est un tuto montage de table. Non, mais c'est sympa, quand même si c'est bah, c'est peut-être des fois un peu long à monter, mais... Après... Ça prend pas de place une fois plié, quoi. C'est comme tout, après avec l'expérience, tu montes ça en deux. Ouais, c'est beau aussi. Comme il disait l'autre, je sais plus ce qu'il disait, je l'ai mangé. Ouais, ouais, mais après c'est du costaud, quoi, ça. C'est, Ouais, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Je l'ai laissé dehors en même temps aussi, il a servi à tout. Il a mangé ? Il a servi de bureau. Eh oui, il a mangé la figue, Peyo. Sans pitié. Tu veux notre figue? Tu veux le dessert, mon Peyo? Oui, il veut le dessert, mon Peyo. C'est bon, ça. Hein. Ouais. Hier, il a mangé des noix, parce que hier, on était déjà là. Mais on n'avait pas, pas chargé. Moi, j'avais pas pris ma GoPro. Et du coup, la caméra de Vincent n'était pas chargée. Et du coup, après, ben, quand il a fait nuit, c'était un peu plus. Ouais, c'était galère. C'était un peu moins terrible, quoi. Là derrière, hein. Là, c'est la Garonne qu'on voit là en bas. Avec petite plage. Bon, c'est interdit à la baignade, mais bah, y avait quand même des gens qui se baignaient hier. Hein. Elle n'est pas polluée comme à Bordeaux. Là. Et puis hier, voilà, on s'est fait petit barbecue et tout ça. Hein. Bon, hier, il faisait meilleur que le... enfin, meilleur. Là, il fait bon quand même. Hein. On doit avoir 19-20 degrés là. Hein. Ouais, il fait bon ici. Il fait carrément bon, quoi. Ça doit être la réverbération de. Ouais, puis tout à l'heure, de toute manière, quand il a commencé à faire sombre, après on s'aperçoit même plus qu'on a le truc au-dessus. Hein. Là, c'est vrai que ça fait un peu sombre dessous, mais... Bon, mais nickel, hein, on va se préparer le barbecue, on va se préparer le truc. Je vais laisser la cam tourner. Bon, après, je ferai un montage, de toute manière. Je vais laisser la cam tourner, et puis comme ça, on nous voit... Toute la batterie tout à l'heure, depuis que je t'ai croisé, elle était allumée, quoi. Heureusement que j'ai pris les autres batteries. Hop, le barbecue. Ben, je vais l'allumer, hein. Bon, on fait pas trop tard alors ce soir, hein. Ouais. Je vais pas te laisser sur la rotule. Ouais, bah ouais. Oh, bah hier, on a 11h15. 11h30, t'es parti, je crois. 11h30, ouais. Tu vois, je fais comme ça.
Comme ça, quand je le prends comme ça, tu te rappelles avant, je bougeais beaucoup dans mes vidéos, parce que je le tenais là. Et depuis que je prends ça, en fait, j'arrive à être bien stable. Ouais. Et c'est pour ça, moi, pareil, ça, je la tiens comme ça à la Des fois, main, je fais là, ça, quoi. ça bouge beaucoup dès que je la mets dans le bâton. Et par contre, le moindre bruit dans le bâton, ça s'entend, quoi. C'est un truc de fou, Non, je peux faire comme ça, des fois, c'est cool. quoi. Et je compte après, moi, dès que je vais avoir les sous, acheter la GoPro. C'est là, GoPro Max. Tu as une perche, elle filme même pas la perche, tu sais. La perche, elle devient visible, tu sais. Et justement, comment il s'appelle Into the Wild, Nomad Into the Wild. Des fois, tu crois que c'est des trucs qu'il fait avec un drone. En fait, non. C'est avec sa perche. Sa perche de 3 mètres, là, tu sais, ou 4 mètres, tu sais. Il la met et il fait des effets de drone. Et comme elle ne filme pas, elle te efface la perche sur le truc, tu as l'impression que le truc décolle, quoi. Ah, c'est cool. Et j'ai vu John, là, John C, du parrain de la morue. Il se balade, il marche avec sa Ouais, la GoPro, truc a fait ça, ouais. ça bouge pas. Même l'autre fois, elle est tombée, l'image, elle reste, tu vois la chute, mais en fait, la truc, elle a fait comme ça, l'image, elle reste droite, tu vois. C'est ça qui me fout. Moi, dès que je bouge avec ça, c'est mort, quoi, ça. Moi j'aime bien ça. Oh, Mais pas j'en la ai une grosse pâte petite quand caméra comme ça, mais elle même. me fait des vidéos. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je l'avais acheté 100 euros. Je trouvais que c'était déjà pas mal, 100 euros, tu vois. En fait, la vidéo, elle est toute pourrie. Et en plus, il faut que je change le dossier à chaque fois. Parce que ça me met pas en MP4, tu sais, ou en WMA. Ça me met en je sais pas trop quoi. Faut que je le transforme. Il faut que ça soit comme avec le téléphone. Hein. Le téléphone, je mettais la carte dans le truc, je prenais la vidéo, je la mettais sur YouTube, c'était nickel, quoi. Enfin, je faisais mon montage, mais ça, j'avais pas besoin de transformer le format, quoi. Bon, Sven vient faire une petite avec moi. Allez. Salut les amis! Et ce soir on fait barbecue encore. Il y a Steph, il est par là. Voilà.
on est revenu sur le même spot. Et bon voilà. Et Steph, Yep. comment tu vas? Eh bien, pour le moment, ça va. Ça Et fait de... une fois qu'on va avoir préparé à manger tout ça, ça va aller encore mieux. Carrément, ouais. Faire des petites merguez au barbecue, là, nickel. Hein. Ça va... Impeccable. Moi, ça va Nickel, impeccable. Hein. nickel. Bon, c'est connu, on s'est retrouvé hier après-midi, comme je l'avais dit. Et voilà, ben, ça fait 2 soirs qu'on va manger ensemble. Alors voilà, si vous savez quoi, je poste la vidéo là tout de suite. Et si ça vous dit, dans les commentaires, vous nous posez des questions. Ça te branche, Stéphane? Ouais, si. Vous nous posez pas la question qu'on baisse notre froc, hein, mais ouais, si vous avez des questions à nous poser, si bon, sinon on peut pas faire de live. Hein. On n'aura jamais les abonnés pour faire des lives. De toute façon, on est grillé d'office. Donc ouais, les amis, vous mettez des messages et puis bon, après ou alors vous posez des questions. Vous nous posez des questions et après moi je les pose à Steph. Ou les questions pour moi, bah, c'est Steph qui me les posera. Tu vois, ce sera une vidéo. Ça marche. Bon, à tout à l'heure, les amis. Hello les jardiniers, les amis. Salut les jardiniers Van Leifer. Ah, vous avez été cool, on a reçu plein de messages, on est super contents. On avait basculé sur un Facebook et Facebook, on a des tonnes de questions. Ouais, on a 44 d'abonnés sur Facebook, c'est cool quoi. Ouais, 44, on a 22 questions, bah, la moitié. 44, ouais. C'est 40 000 abonnés. Ah, c'est cool. Nickel, quoi. Eh, hey, ça monte, 42 000. Oh la vache, puis là-bas, on peut faire des lives. Nickel. Bon, bah, les amis, on vous avait... Donc, du coup, on a des questions. Je vais les poser à Steph, parce que, apparemment, c'est tout pour Steph. Et voilà. Ça marche. Vous êtes prêts? C'est cool, hein. Franchement, je pensais pas. J'avais 8 vues. 8... 8 vues, mais ils doivent passer par le côté, je sais pas. T'sais. Ouais, 8 vues, mais ils sont tous basculés sur Facebook pour nous parler parce qu'ils voulaient pas s'afficher sur YouTube. Ils avaient peur de leur. C'est marrant, t'as leur... vu sous ta vidéo, t'as marqué 8 vues, et dès que tu vas dans le truc studio, là, ouais. YouTube Studio, t'as 18 000 vues déjà, tu sais. Ouais, ça descend, ils redescendent. Ah ouais. Ils enlèvent, quoi, tu sais. Non, j'ai pas vu, j'enlève, tu sais. J'ai rien vu. Ouais, c'est clair. On n'a rien montré pourtant de... Non, bah, on est tranquille, hein. Nous on a mangé nos merguez et puis... c'est bonne merguez à l'al, là. très bien. Nickel ou quoi. Bon, on avait demandé qu'ils séparent les piquantes et les non piquantes. Ouais, en fait, nous on a... J'ai mangé les piquantes. Alors ouais, voilà, on demande à la boucherie à l'al, on dit... Steph, il dit, vous pouvez marquer les fortes. L'autre, il met foot. Et du coup, je crois que c'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai inversé les trucs dans la cuisine. Du coup, j'ai la bouche un peu. Ça. Ouais. Du coup, si ça faisait fond, rien. Vous étonnez pas. Hein. C'est pas la raison, c'est la bouche de dragon. Bon, bah alors, bah, on y va. On y va. Bon, on en a 22 questions. Bah, on est quand même étonné. On est grave étonné. On a première question, Damien Descarzes. Désolé, on est vraiment, même avec 8 vues, on est vraiment suivi par les plus grands.
Voilà.